La suite avec Silver Bess, que l'on retrouve pour Holo 3, c'est votre société. Vision artificielle pour le contrôle qualité de produits agroalimentaires. C'est voilà, parti. C'est ça. Donc pour ceux qui seraient éventuellement rentrés dans la salle entre-temps, donc je m'appelle Silver Bess, je suis de Holo 3. Holo 3, c'est un centre de transfert de technologies dédié à l'image. Donc on fait beaucoup de projets de R&D en lien avec des laboratoires de recherche et des entreprises. Donc là, je vais vous présenter un projet. Je vais monter ça un peu. Donc qui concerne la vision artificielle pour le contrôle qualité de produits agroalimentaires. Donc c'est un projet qui est porté par un groupement d'entreprises qui s'appelle AgriTracer, auquel on souhaiterait participer. Pour ça, on recherche un partenaire, donc une PME, principalement en alsacienne si possible, dans le but de proposer une offre commune, donc où nous, on ferait une grosse partie R&D dans le cadre de ce projet. Alors ce projet, ça concerne donc de l'inspection de nourriture, donc dans un cadre industriel. Donc de l'inspection, ça veut dire avec une étude colorimétrique ou des aspects morphologiques des nourritures. Donc on peut imaginer une tranche de jambon ou des choses comme ça qui passent et on va déterminer si le produit est conforme ou non en termes de, avec des critères de qualité donnés. Dans le but de faire donc une évaluation rapide et précise des produits, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ce type d'opération se fait manuellement par un opérateur, et donc c'est sujet à la subjectivité de l'opérateur, donc ça peut emmener quelquefois des petits problèmes. Voilà, et donc l'un des autres buts aussi de ce projet, c'est d'aboutir à des critères bien déterminés pour déterminer la qualité des produits. Voilà, donc l'entreprise que nous recherchons devrait avoir des compétences dans le domaine de la vision industrielle, contrôle de qualité et dans la mesure éventuellement de données qualitatives à partir d'images couleurs. Voilà. Bravo, moins de 150 secondes, Silver Bess.